blockade. The message is clear. The Nox event is contained. I repeat, the Nox event is contained. Project Zomboid, the ultimate zombie survival RPG. Bonjour à tous et bienvenue sur Projet Zomboid, c'était Camon, on se retrouve sur Twitch en live, troisième épisode, et pour vous sur YouTube en VOD, en format. Papal, t'as survécu? On a fini. J'ai survécu. On a fini le dernier épisode dans la maison à Developix, c'était un carnage, je me suis fait bouffer dans le salon. Et je sais pas si Developix a survécu. Si, j'ai survécu. Mais c'était chacal, c'est moi qui me suis sacrifié. Non mais lui, quand il nous a entendu arriver, il s'est barré par derrière. Oh, nous sommes quatre. Bah ouais, Il y a Kalik qui nous a rejoint sur le serveur, t'es à l'autre bout toi aussi. Ah mon pauvre, il n'y a rien dans la maison là. Bon bah, c'est déjà bien, on va prendre un stylo. Donc j'ai compris l'intérêt du stylo, c'est que je prends une croix, et je peux dire par exemple dans cette maison là où c'est un spawn, et il n'y a rien dessus, voilà. Est-ce qu'on peut aller fermer? Ouh, j'ai du 7 là-bas. Il n'y a rien là, il y a une armoire là. Ah mais ils vont me voir. Ils sont tellement nombreux dehors. On va voir si je peux fermer ou pas le rideau sans me faire repérer. J'ai réussi à fermer le rideau. Ils sont beaucoup trop nombreux hein. Donc c'est bon, c'est fermé. Un bini, c'est quoi ça? Un cube. T-shirt à manches longues, non. On va essayer de trouver du stuff quand même, ça serait top. Déjà ici, je pourrais boire un coup. Oh putain, je suis mordu. Ah bah tu vois, non mais c'est beaucoup dingue. Merci, c'est gentil Kalik de venir, parce que tu joues, tu te fais mordre et tu viens dans le chat. Grand fou. Somnifère, prendre. Je pense que là... Ils peuvent me voir à travers la porte. Si je les vois, c'est qu'ils peuvent me voir. Merci. La porte est vitrée, ouais. Fais suer. Là, ils peuvent t'entendre aussi. Fais suer. Je suis avec un moule à gaufre, je sais pas quoi. Mortier pilote, tiens, on va prendre. À utiliser pour se sécher. J'arrête de prendre des conserves, ça sert à rien. Comment faire pour s'en sortir? C'est la vraie question. Demander des sous à l'éditeur. T'es en train de. Tu l'as acheté? Osef, tu nous rejoins? T'es pas bien! Oh bah papa, t'es peut-être développé. Pourquoi je suis là-bas, moi? Je me croyais de l'autre côté. Ah, écoutez, je pensais être... D'accord. J'ai bugué. J'ai pas fait gaffe, donc il y aura des maisons à rejoindre. Est-ce que le jour se pointe par hasard? Ouais, il fait jour. Il fait jour, là? Ouais, ouais. À partir de 6h, il fait jour. Ah, mais ils sont encore nombreux, quoi. Ils sont plus devant la porte. Les onzons se cassent quand il fait jour? Non, mais ils se baladent la nuit. Ah oui, donc c'est ça. Donc la nuit, il vaut mieux rester à l'abri, en fait. On est d'accord. Ouais, ils se baladent la journée aussi, hein, mais... Bon, bah écoutez, il n'y a rien. Est-ce que j'ai fait cette armoire-là? Ouais. Oh, j'ai pas vu la salle de bain. Bon. Qui c'est qui a au fusil? Qui c'est qui tire? C'est pas moi. Mais non, où ça? Oh le monde.
Bon, mais vous avez attiré tous les zombies là. Ah ouais, y'a quelqu'un qui a tiré là. C'était pas le bon bail. Aïe 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 aïe, moi je me casse. Hein. Je suis repéré. Oh là là. Sans... La quantité de Z qu'il y a. Ouais, deuxième morsure, ils sont sérieux. Ok, ça me suit toujours en bas. C'est chaud, c'est n'importe quoi. Il y en a qui me suit. Oh. On tente le fouet. Il a récupéré le tas de jeep, papal. Il n'y a plus d'essence. Il y en a un peu dedans, ça va me permettre. J'en ai vu un là, il m'a repéré. Faire une diversion. Et moi je me casse, je m'éloigne, c'est trop chaud par chez vous là, les gars. Ça a l'air beaucoup plus safe là d'un coup. Oh, désolé, t'as dit que m'a servi de diversion. Hein. La bonne nouvelle, c'est que je crois que j'ai sauvé la vie à celui qui a tiré un coup de feu. Je ne comprends pas, ouais, ce coup de feu là. Ils allaient tous vers le bas à droite. Est-ce que je suis arrivé en frontière de map? Je suis en train de me demander. On va continuer, hein. Donc il y en a à l'extérieur. De cette maison, on va essayer de rentrer par le côté là. Il faut vraiment que je trouve autre chose qu'un poêle à gaufre, quoi. Oh tiens, il m'a pas vu. J'ai le cœur qui fait des boum boum là, je vous raconte même pas. Ok, rien ne se ferme ici, c'est génial. Bon, un petit point info, on est où là? Ah, ça va mal. Ça va très mal, c'est très compliqué. Non, la map elle est grande en fait. Vous partez plus vers la droite du coup les gars? Alors, j'ai trouvé un kit de couture. Et la fameuse ventouse. Vitamine. Ça sert de sac. D'accord, bon, on va le prendre. Hein. Je crois avoir vu qu'on pouvait... Non, il veut pas. Non, d'accord. J'ai cru voir qu'on pouvait faire des matelas avec ça, en fait. Ouais. Après, des matelas, il y en a plein. Allez, on espère quelque chose. Un couteau à pain, c'est une arme, ça, ou quoi? Non, hein. On est d'accord. Spatule, torchon. Je peux pas en faire un pansement. Bah non. Sirop d'érable. Bien ça, prendre. Faim et dépression de confiote, je prends. On prend le sucre aussi. Allez. Tiens, on va boire. Est-ce que ça reste la bouteille de lait pour la remplir d'eau après? Salutations, non, tranquille. C'est vrai. En tout cas, c'est l'horreur, West Point. Hein. Franchement. Les légumes frais, ça donne de l'ennui et de la dépression. Bon, je suis vraiment embêté parce qu'on est vraiment loin tous. Le but, c'est quoi? C'est revenir au grand supermarché ou...
Je sais pas, là, franchement... Survivre. Le but, peut-être trouver un endroit safe, et puis essayer de faire une faction et de se mettre dedans. Ok, ça marche. Oh là là, je viens de me faire dévorer. Vous comprenez que je vais à l'opposé complètement d'où vous êtes, hein, parce que c'est pas la peine. Je sais qu'il y a une voiture là, mais il y a du monde. Oh, punaise, il y a du monde dans les champs. Bon, attends, avant mon respawn, je fais une petite pause de 2 minutes, il y a ma femme qui m'a appelé. Je reviens. Yes, c'est ça les joies du live. Bon, le tech, il se débine, hein, il prend les chemins. On va essayer de trouver quelque chose d'autre. Il est tout seul, lui? Je pourrais peut-être trouver... Non, il est pas tout seul. Il est pas tout seul. C'est bon, je commence à avoir des armes à nouveau. Est-ce que ça donne des points, vraiment, d'être... Tu restes toujours en furtif ou tu marches normalement? Moi, en furtif, parce que j'ai un cambrioleur. Donc, j'ai de l'avance en discrétion et en furtivité. Ce qui fait que j'ai tout intérêt, moi, à avancer en furtif, même si ça me consomme beaucoup. Mais je suis pas obligé dans le jeu, je peux marcher normalement. Non, non, oui, tu peux marcher normalement. Surtout quand il n'y a pas de zombies. Hein. Bah, ils sont loin. Ils sont allongés dans le champ, ils sont bien, ils sont heureux. Tu les as pu à portée de vue, normalement, tu peux marcher normalement. Ok. Je vais pas aller voir ce qu'il fait là-bas tout seul. On va attendre bien isolé, on va regarder la map vers où... Oh, punaise. Mais ils sont par paquet. Il y en a moins de 10. Là, je vais vérifier quelque chose d'ailleurs. Pour vous. La musique est bon. Les sons ambiants. On voit des moteurs. On va se mettre un poil de musique en plus. Voilà. Ça va être un peu plus confort. Mais non, je les attire pas. Je serai ma map. C'est pas mal ce mode là. Heureusement qu'on l'a. On fait en quelle difficulté? Difficulté, je ne sais pas. Il a pris quoi, Papal? En normal. Ça n'a pas changé. T'es sûr? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus mordant que la dernière fois. Hein. Non. Bah, vraiment, en vrai, normalement, Westpain, t'es plus dur que Muldrow. C'est Rosewood, Riverside. D'accord. Muldrow, et ensuite West Point. Je passe. Et en fait, ça joue sur la quantité de zombies en vrai. Bah, tant que t'as pas d'armes. Parce que les repousser, les écraser, c'est bien, mais quand t'as un ou deux. De toute façon, même en règle générale, tu les prends. Attends. Par un ou deux. Je suis un furtif, lui, il vient par hasard ou quoi là? Le furtif, ça t'empêche pas de le voir, hein. C'est d'être vu, hein. C'est... ça réduit tes chances d'être vu. Alors. Ok. Débardeur ensanglanté. Il a rien de bien, par contre. On va faire un pansement au cas où. Voilà, et on continue. On va rejoindre de l'autre côté du supermarché. On va contourner à travers champs. Oh, il y en a plein. Il y en a plein, j'en ai marre. J'ai gagné un en furtivité. Pour une fois, j'ai gagné un point. Ok. Ah, c'est bien comme ça que la souris, on peut... J'avais pas réalisé. Ok. Ok, ok. Chaussettes, chaussures, non. Il y en a un qui est là. Qu'est-ce qui se passe avec les discrétions, mon tech? Ouh, le réflexe! J'ai entendu un bruit. Y'a un robot sans zombie qui m'est tombé dessus. Re. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai l'heure. Il est midi. Il est midi, ouais. C'est hyper tendax, hein. Oh là là là, je suis à travers forêt, d'accord, je suis à gauche. Je vais essayer de remonter vers les maisons du supérette du côté gauche. Je ne promets rien. On va peut-être aller par là. On va s'éloigner. Je suis sûr qu'il y en a qui jouent en ISO complète. Tiens, voilà un là. Ouais, j'ai spawn dans ma...
Dans la baraque où j'étais tout à l'heure. J'ai spawn tout à l'heure en fait. En les tuant, est-ce que je vais trouver quelque chose? À part des soutifs? Regardez l'émission de télé pour prendre des points. Tu sais, là je prends rien, hein. Je prends de la discrétion quand même. Ah, ils sont deux, mince. C'était menuiserie, ça c'est bon. Mais pourquoi? Pourquoi ils viennent tous d'un coup? Attends, j'étais bien là. Ah, j'en ai ma claque, c'est pas possible. Allez, on court. On y va. Du coup, Kali qui s'en sort? S'il n'écrit pas dans le chat, c'est qu'il doit être poursuivi aux fesses. Il dit que c'est chargé en zonzon. Non, sans blague. Il y en a là. J'ai quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il y en a dans la forêt, évidemment. Moi, je suis fou, hein. Quitte mais à côté de maison, t'es loin, toi, en fait. Ah ouais, non, mais... Fait, toi j'ai fui la horde. Mais je sais où je vais. Hein. Attention, tu peux te griffer aussi dans la forêt. C'est vrai. Ouais. Et les zonzons peuvent pas. Ah ouais, il y en a qui sont. Développix, ça va, il a fait une bonne affaire, mine de rien. Parce que dans la Jeep qu'il a récupéré. Non, j'ai pas récupéré la Jeep. Ah bah, il y a deux ou trois battes de baseball dedans. Aïe! Ah, c'est pas possible! Je suis mordu. Le problème sur le jeu, après, tu te dis, bah. Rage Quit ou Novice? Et ça aussi. Mort du saignement. Voilà. Mordu. Oh, bah c'est mort. Ah hein. Oh, mais non. Bah si. Une morsure. Bon allez. C'est fini. Je vais vous le dire, je vous déconseille ce jeu. Il est beaucoup trop dur. C'est pour les fous de zonzon de Walking Dead. Et je vous fais plaisir dans le chat, mais c'est pas ma tasse de thé. Alors, même en... D'accord. Suivez-moi les gars, c'est pas grave. Bon, j'ai cherché les pattes de baseball du coup. Regarde-les là, regardez tous. Alors pour info, Papal, si tu la cherches, la patte de ta Jeep, elle est en dessous, au sud de la pharmacie. Ouais, je suis un peu loin là, et puis j'ai pas d'armes donc... Mais pourquoi ils sont aussi agressifs avec moi? Il y a une autre Jeep juste à côté de moi. Bon allez, courage, fuyons pas. On va se faire les aides. Et vous avez dit que j'étais condamné. Oh, j'ai une légère douleur à l'aine, ça va. Ils sautent pas les grandes barrières? Non. Non, les grandes barrières, en fait, c'est des obstacles pour eux. C'est comme les murs. Ils peuvent pas casser les murs non plus. Ah, merci. J'ai peut-être un espoir, du coup. Ne me dis pas que je vais y arriver à m'en sortir alors que je suis infecté. On va déjà les faire tomber, la technique de la savate dans la tronche. Bon, j'aimerais bien rentrer dans une maison. Mais je suis sûr que ça pue. Il y a quand même beaucoup de Z là dans cette maison. Et j'ai bien lu mordu, je crois, dans le chat, je suis condamné. Alors, j'arrive pas à les ouvrir, c'est pas possible. On va se cacher derrière. Je me suis sorti de l'affaire ou pas? Bon allez, on va chercher une salle de bain. On est dans une baraque, les amis, ça y est. Courage, Joseph, j'ai vu que t'es dans le jeu. Ça pue les forêts, ouais, mais il faut deux... Ouf, là là.
Frigo a été visité, vous êtes déjà passé par là, je pense. On va pas toucher, on va laisser pour les copains, on va boire un coup. On va monter à l'étage. Alors attends, fais ok. Oui, bah oui, oui, un bandage. Pourquoi ça se punaise pas? Voilà. Ouais, c'est marqué mordu, c'est vraiment condamné pour moi, là. Oui, ouais. Ah, fais suer. Après, le perso, il va pas mourir tout de suite. Mais ça va aller en se dégradant. Oui, il y a aucune solution, ça sert à rien, quoi. Ben oui, le perso est condamné. Bon, bah écoute, on va laisser du matos, hein. Premier secours, on va les laisser là. Ça sert à rien de prendre tout ce que j'ai emmené. Pour quelqu'un qui vient ici, il sera content. Vitamines, les bottes militaires, tiens, c'est top, c'est cadeau. C'est le pompier qui laisse ses affaires. La montre digitale. On va même laisser la poêle à frire. Kit de couture, Ezou. On va laisser les chaussettes, ça fait des bandages. Allez. Bon, bah écoutez, je sors comme je peux. Ah, je suis dans un état. Et je vais me faire bouffer de l'autre côté. Allez, mon bonhomme. Je suis là. Allez, venez vous taper, là. 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 Ce jeu donne pas de l'amour, il donne de la haine. Ah, merde. Si t'es infecté, tu le vois dans les ronds rouges à droite. Quand on est blessé, tu veux dire. Ah là 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 là, c'est vraiment la souffrance. Je pense que c'est bien regardé pour se marrer comment on meurt. Allez, on retourne à West Point. Le quartier avait l'air intéressant quand même. Ouais, si je ferais pas mieux de faire un cambrioleur. Comme tu disais, la furtivité. Ça t'a aidé, Développix? Ouais, après le perso il panique quoi. Je préfère toujours le vétéran. Ah, je vais insister. Je vais insister. Je suis sûr qu'on peut tenir ma galerie. Non, faut que j'insiste, c'est un jeu qui mérite d'être connu, je suis sûr. Mais punaise, je prends cher quoi. Bon. Déjà, on va aller fermer les rideaux. Première règle. Oh là là! Il y a du monde dehors. Est-ce qu'on peut fermer les rideaux là? Il y a pas de rideau à l'autre, hein. Fais gaffe, Montec. On va faire un de ces carnages là. Je suis toujours dans le même quartier. Hein. Bah, t'as de la chance. Alors, oh, des bottes. Déjà, on peut. D'accord, on va les mettre. Alors, attends, récent 100. Oh, c'est pareil en fait. Alors la question c'est... On va plutôt garder nos bottes militaires à nous, on va laisser les bottes. Une corde, ça peut être pour grimper des baraques ça? Je sais pas trop. On va pas s'en couper. Des cordes, on peut... J'ai une autre bagnole. Oh. Ouais mais alors comment tu fais pour pas les attirer? Il y a tellement de zombies. Faudrait se casser dans une autre ville hein. Donc j'apprends au cas où, si ça peut aider mais... Déjà. Dans une autre ville, c'est pareil, hein. Il y a plein de Z aussi. Hein. Oh, ramasser les brocolis. Alors. Une poêle, première arme. Je suis ravi. On va frire des œufs. Donc vous avez bien compris, je ne prends pas. Ah, il y a un pompier. Ça doit être un de tes persos, tech. Ah, sûrement. C'est un pompier avec un casque rouge, oui. Et puis un oui. Blouson marron et puis un pantalon vert ou jaune. C'est vrai. Oh, par contre, j'ai spawn pas loin de toi. Mais c'est infecté par là. Il y a trop de monde. Alors. Les biscuits, on va les prendre. Oh,
Ouais, c'est bon. Je voudrais pas trop prendre ça, mais... On a fait le frigo, on a tout fait. Allez, on première porte. Chemise de camouflage. Ça aide vraiment. Et dans l'autre machine, il n'y a rien. Pourquoi que les mitaines... Non. J'ai trouvé la salle d'eau, ça c'est bien. Alors le serveur vit, ce qui veut dire que la coupure approche, on meurt bêtement, mais... Autre colonne, kit de couture, vitamine, allez. L'autre colonne sert de désinfectant. Je suis en train de me dire là. Oh, des bouteilles. Est-ce que je prends tout? Un sac poubelle. Oh, pour une fois. Bon, imaginons que j'ai de la chance. Oui, pour... ah, on peut se recoudre les plaies. Ok, merci l'info. J'aurais dû y penser. Je me demande juste si le sac poubelle, on peut le mettre en plus comme inventaire. Non, apparemment non. On va le ranger. Bon. J'ai pas de sang. On va remplir les trois bouteilles. Ça, on voit les copains. Ah la vache. Et puis j'ai envie de dire un truc, bah c'est que on va arrêter l'épisode là, sur YouTube. Je crois que c'est le quatrième cadavre que j'ai laissé, j'en sais rien, il va y avoir plein de pompiers partout, comme dit Développix, ça va être folie. Donc merci à vous sur YouTube, et tant qu'on continue, on s'amuse, et je vous dis au prochain épisode sur Projet Zomboïde. Merci à tous, et à vous les studios.